Merci d'être là. Je vais quand même suivre assez mon texte de près parce que bon, parfois il y a des choses que j'ai de la difficulté à expliquer et je me sens plus à l'aise de suivre. J'espère que je ne serai pas trop ennuyante. J'ai préparé un PowerPoint sur lequel vous allez trouver surtout les citations plus longues dont je vais parler aujourd'hui et je vais vous montrer aussi un extrait d'un court-métrage qui met en scène J.J. Ballard, duquel je vais vous parler aussi dans le courant de ma présentation. Alors, l'année dernière, lorsque Pierre m'a demandé d'intervenir dans le cadre du séminaire du Christ, je me suis empressée, bien sûr, d'accepter et de lui fournir un titre provisoire qui était « Circuler, habiter, consommer » pour une sociocritique de l'œuvre de J.J. Ballard. Depuis, ce titre est devenu le titre de ma thèse. Une de ses qualités me semble être de subdiviser efficacement mon corpus, les récits de Ballard s'intégrant à merveille dans cette construction tripartite. Crash et Concrete Island appartiennent au segment de la circulation. High Rise, Running Wild et Super Can, entre autres, appartiennent au segment de mettre en scène des intrigues liées à l'habitation, tandis que Kingdom Come s'intéresse principalement à des problématiques entourant l'univers de la consommation. Ce titre participe également de ce que Le Corbusier appelle le cycle des fonctions quotidiennes, révélant ainsi, par-delà la subdivision, l'interdépendance des éléments en présence, ce qui est par ailleurs une caractéristique essentielle des narrations ballardiennes. Selon Le Corbusier, l'urbanisme a quatre fonctions principales qui sont, premièrement, d'assurer aux hommes des logements sains, c'est-à-dire des lieux où l'espace, l'air pur et le soleil soient largement assurés. Deuxièmement, d'organiser le lieu du travail de façon qu'au lieu d'être un assujettissement pénible, celui-ci prenne son caractère de naturelle activité humaine. Troisièmement, de prévoir les installations nécessaires à la bonne utilisation des heures libres, les rendant bienfaisantes et fécondes. Quatrièmement, d'établir la liaison entre ces diverses organisations par un réseau circulatoire, assurant les échanges tout en respectant les prérogatives de chacune. Bon, on retrouve ici un peu toute l'utopie de Le Corbusier. N'empêche que cette construction me semble quand même assez efficace pour penser plusieurs éléments en urbanisme et pour penser la ville. Alors, Olivier Mangin, dans La ville franchisée, s'appuie lui aussi sur une terminologie similaire pour penser les formes et les structures de la ville contemporaine. Pour saisir et étudier la croissance urbaine des 35 dernières années, écrit-il en introduction de son essai, trois entités omniprésentes de la périphérie nous ont principalement intéressées. Les infrastructures routières, l'urbanisme commercial et entrepreneurial, les ensembles de maisons individuelles. Tout au long du 20e siècle en Occident, et particulièrement en Grande-Bretagne, les écrits urbanistiques étudient ces interactions entre la circulation, l'habitation et la consommation. Au début du siècle, l'architecte paysagiste Ebenezer Howard propose un projet de cité-jardin qui répartit de façon équilibrée et rationnelle les routes, les habitations et les lieux d'échange marchands. Son essai, « Les cités-jardins de demain », aura une très grande influence sur le développement des banlieues pavillonnaires en Angleterre. Pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la perspective de la reconstruction à venir du pays, l'architecte Patrick Abercrombie conçoit divers plans d'urbanisme pour la ville de Londres qui prennent en compte les problématiques de la circulation et de l'habitation. Au début des années 60, Colin Buchanan rédige Traffic in Towns, un rapport qui étudie l'impact de la circulation automobile sur l'essor des villes et pense l'interdépendance entre les déplacements motorisés et l'agencement des immeubles dans un espace donné. Buchanan et ses acolytes s'inscrivent dans la lignée de Le Corbusier, tout en étant influencés par les théories du collectif Archigram, favorables aux mégastructures, mais privilégiant en même temps une approche inspirée des situationnistes. Ces théoriciens réalisent que les constructions urbanistiques influencent les comportements sociaux, ce qu'Anatole Kopp résume en ces termes. On sait aujourd'hui que l'implantation d'un équipement, d'une autoroute, d'un centre commercial représente plus que la simple construction et que la mise en service de cet ouvrage. On sait que cet équipement a des effets induits, que l'autoroute elle-même, que le centre commercial agiront en leur temps sur le milieu urbain, y provoquant des transformations que l'on ne qualifiait de spontanées que par méconnaissance de ces phénomènes.
Ce constat me semble être le point focal autour duquel se déploient les expérimentations fictionnelles ballardiennes. Alors, avant de poursuivre plus avant, je prends quelques instants pour indiquer quelques éléments bio-bibliographiques concernant cet auteur anglais. James Graham Ballard est né en 1930 à Shanghai, où son père occupait le poste de directeur de la filiale chinoise d'une grande entreprise textile de Manchester. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, après l'invasion de la Chine par le Japon, il est emprisonné au camp de détention de Lunghua. Son roman « L'Empire du Soleil » relate de façon romancée cette expérience de la guerre. À la fin du conflit mondial, G.G. Ballard s'établit en Angleterre où il entreprend des études de médecine dans le but de devenir psychiatre, études qu'il abandonne rapidement pour suivre des cours de lettres. Il s'engage dans l'armée de l'air britannique, ce qui lui vaut de passer quelques mois sur une base de la Royal Air Force en Saskatchewan. À la fin des années 50, il fonde une famille et achète une maison dans une banlieue éloignée de Londres, à Shepperton, une bourgade située tout près de l'aéroport de Heathrow, des réservoirs qui alimentent la métropole en eau et des célèbres studios de cinéma, près desquels l'action de ses romans Crash et Concrete Island se déroule. Pour gagner sa vie, il travaille comme assistant à l'édition d'une revue scientifique et publie des nouvelles de science-fiction dans des magazines expérimentaux et spécialisés. En 1964, sa femme meurt subitement à la suite d'une pneumonie fulgurante. À partir de ce moment, il entreprend de devenir un écrivain professionnel pour subvenir aux besoins de sa famille. Son deuxième roman, Le Monde englouti, connaît un succès commercial et s'attire des critiques positives. Dès cette époque, Ballard est publié chez un grand éditeur anglais qui le prend sous son aile. Il fréquente les milieux artistiques londoniens, devenant un proche ami de l'artiste écossais Eduardo Paolozzi. Son œuvre est rapidement traduite en plusieurs langues, mais reçoit un accueil mitigé aux États-Unis, où il ne réussira jamais à percer. Pourtant, deux de ses livres seront portés à l'écran en Amérique, « L'Empire du Soleil », que réalise Steven Spielberg en 1987, mettant en vedette John Malkovich, Miranda Richardson, ainsi qu'un jeune acteur inconnu à l'époque, Christian Bale. Et « Crash », réalisé en 1996 par le cinéaste canadien David Cronenberg, avec comme tête d'affiche Holly Hunter, James Spader et Elias Koteas. Leur succès, populaire d'un côté et médiatique de l'autre, a grandement contribué à sa notoriété. Ballard a publié au rythme d'un roman tous les 3 ans environ, jusqu'à sa mort en avril 2006. Alors, sur l'autre page, pendant que je parlais, il y avait la liste de ses romans. Il a écrit aussi beaucoup de nouvelles. Et les romans qui sont en gras, c'est ceux sur lesquels porte plus spécifiquement ma thèse. Alors, ce que je propose aujourd'hui de présenter, quelques éléments de réflexion et d'analyse qui occupent le premier volet de ma thèse, celui consacré à la circulation, en étudiant quelques passages de Crash, un roman publié en 1973. Voyons. Voilà, à force de le voir, on ne le voit plus. L'action de ce récit se déroule dans la périphérie ouest de Londres, le long des voies express. Nouvellement construite, entourant l'aéroport de Heathrow, en particulier la Western Avenue, autoroute urbaine surélevée, en certains points à l'instar du boulevard métropolitain. Le texte raconte l'histoire de l'amitié entre James Ballard, le narrateur, et Robert Vaughn, un personnage obsédé par tous les aspects entourant les accidents de la route. À la suite d'un face-à-face où il tue le conducteur du véhicule avec lequel il entre en collision, James découvre la signification véritable de l'accident d'automobile, le sens des chocs de plein fouet et des tonneaux, l'extase des collisions de front. En compagnie de son nouvel ami, il parcourt les autoroutes qui encerclent l'aéroport de Londres à l'affût d'accrochages, de blessures et de morts. Il entre ainsi en contact avec d'autres accidentés qui gravitent autour de Vaughn jusqu'à ce que ce dernier meure dans un accident après avoir tenté, en aboutissant sa limousine, de tuer Elizabeth Taylor, avec laquelle il rêvait de mourir depuis plusieurs semaines. La narration du roman est circulaire, puisqu'elle débute et se termine avec la mort de Vaughn. Loin d'être futuriste, le paysage autoroutier de Crash est même plutôt réaliste, s'inscrivant dans un contexte historique précis, celui de la fin des années 60, une époque où se multiplient les constructions d'autoroutes, où les congestions routières occasionnent des retards que l'on commence à évaluer en termes de coûts, et où le nombre de victimes d'accidents atteint des sommets jugés inquiétants par les autorités, qui accumulent les messages de sensibilisation dont James se plaint du bombardement incessant.
J'avais préparé, j'ai trouvé sur Internet un petit clip d'un de ces messages qui était fait dans le temps de Noël par le ministre des Transports anglais. Malheureusement, la connexion Internet ne fonctionne pas, mais bon, je vous invite à aller sur le site de la British Pathé et d'essayer d'aller voir ces clips qui datent des années 50-60 qui sont très, très intéressants au niveau du discours. Mais bon, dans le roman, le personnage principal parle de ce qu'il appelle la propagande de la sécurité routière ainsi. Il dit... Après avoir été harcelé sans relâche par la propagande de la sécurité routière, c'était presque un soulagement que de se trouver mêlé à un accident réel. Comme tous ceux que l'on bombarde quotidiennement de slogans et de films de collisions imaginaires, je m'étais toujours senti vaguement mal à l'aise à la pensée que l'instant crucial de mon existence, son couronnement macabre, était répété des années à l'avance et prendrait place sur quelques autoroutes ou carrefours connus des seuls auteurs de ces films. James lui-même, concepteur de publicité télévisée mettant en scène des automobiles, souligne ainsi la perversité de ces accidents fabriqués que l'on balance au visage des téléspectateurs. Alors qu'il est hospitalisé à la suite de son accident, il demande à sa femme où se trouve sa voiture démantibulée et l'imagine exposée à titre d'avertissement à l'entrée du bloc opératoire. Les problèmes de congestion et les accidents de la route ne sont toutefois pas des phénomènes nouveaux, non plus qu'ils sont spécifiquement liés à l'invention de l'automobile. Déjà au 19e siècle, les villes étaient congestionnées par les transports hippiques. L'incipit de la curie de Zola est symptomatique de cet état des choses. La calèche dans laquelle se déplacent Maxime et René étant littéralement prisonnière de la circulation, et je cite le début, « Au retour, dans l'encombrement des voitures qui rentraient par le bord du lac, la calèche du marché au pas. Un moment, l'embarras devint tel qu'il lui fallut même s'arrêter. » Alors, c'est le début de la curée. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un roman consacré aux spéculations entourant les transformations de la capitale française sous Haussmann débute par un embouteillage monstre à la sortie du bois de Boulogne. De même, l'accident de circulation n'est pas un enjeu nouveau. On se souviendra que dans l'an 2440, Rêve s'il n'en fut jamais de Louis-Sébastien Mercier, celui-ci identifie les accidents de la route comme l'une des tares de son époque qu'il est bien en peine de retrouver telle quelle dans le Paris de 2440, passant à deux doigts de se faire faucher lors de sa première pérégrination. Pour les gens nés après les années 60, l'automobile, les autoroutes et le code de la route vont de soi, comme l'ordinateur, le téléphone portable et le réseau Internet pour ceux qui sont nés après 1990. Ainsi, il peut être important de souligner que les principales autoroutes de l'Angleterre ont été passivement construites dans la foulée des reconstructions d'après-guerre. Les plus grandes transformations ayant lieu dans les années 60 et au début des années 70. Si en 1996, on a célébré en grande pompe le centenaire de l'automobile en Grande-Bretagne, c'est que son histoire débute, non pas, selon les spécialistes, non pas en 1888 avec l'arrivée de la première automobile sur l'île anglaise, mais bien en 1896 avec l'abrogation des Locomotive Acts, une série de lois qui limitait de façon considérable les déplacements automobiles. Sous l'influence de groupes de pression liés aux compagnies ferroviaires et aux voitures à cheval, le gouvernement légifère dès 1861 pour restreindre le développement des véhicules à moteur. En 1865, le Parlement adopte la fameuse Red Flag Act, une loi exigeant un minimum de 3 personnes pour manœuvrer un véhicule motorisé, dont l'une devait marcher à moins de 60 pieds devant l'automobile, munie d'un drapeau rouge et d'une lanterne rouge la nuit, dans l'objectif de limiter sa vitesse et de prévenir les passants de son arrivée. La vitesse permise est également réduite à 4000 à l'heure sur les routes de campagne et de 2000 à l'heure en ville. Cette loi est finalement abolie en 1896, marquant le début de l'ère de l'automobile en Angleterre, mais non la fin des débats entourant le développement et la régulation de la circulation motorisée. Alors, dans le contexte de la reconstruction d'après-guerre, le développement du réseau routier devient un enjeu politique et économique majeur. Si l'automobile se démocratise avec les innovations de Henry Ford, ce n'est que dans le contexte des Trente Glorieuses qu'elle devient dominante, grâce à l'amélioration du réseau routier et à son accession au sommet d'objets de consommation de masse. Alors, je cite, « Cars in the early 1960s were ceasing to be simply about transport, convenience and social status. They were becoming structured deeply into the fabric of everyday life. » En Angleterre, la première autoroute, le Preston Bypass, ouvre à la circulation en novembre 1958 et le premier segment de la M1 l'année suivante. Comparativement à l'Allemagne, à l'Italie et aux États-Unis,
le pays avait pris du retard dans le développement de son réseau routier. Pour remédier à cette situation, le gouvernement met sur pied, en 1962, un plan promettant la construction de 1000 milles d'autoroutes sur une période de 10 ans. Le premier code de la route adapté à la circulation sur autoroute paraît en 1958, sans préciser de limite de vitesse sur les voies rapides. La narration de Crash prend acte de ces multiples de la multiplication des chantiers et de l'envahissement du paysage, tant mental que suburbain, que provoque la rapidité des constructions. À sa sortie de l'hôpital, James constate que la physionomie de l'automobile s'est considérablement transformée à ses yeux. Pendant mon séjour à l'hôpital, l'autoroute avait presque progressé d'un kilomètre dans cette direction. Il a passé 3 semaines à l'hôpital, ce qui correspond à peu près à la rapidité de la construction des autoroutes dans les années 60-70 en Angleterre. Alors, en examinant attentivement l'étendue silencieuse, je me suis rendu compte que tout le paysage qui formait le cadre de mon existence était maintenant délimité par un horizon entièrement artificiel. Les voies surélevées, les garde-corps et les accotements de l'autoroute, les bretelles d'accès, les échangeurs enserraient les véhicules comme les parois d'un cratère de plusieurs kilomètres de diamètre. Alors, bien avant la publication de Crash, Ballard s'intéresse à l'univers de l'automobile et il est loin d'être le seul. Les œuvres artistiques, qu'elles soient filmiques, picturales ou littéraires, sont nombreuses à s'intéresser à l'hégémonie du véhicule motorisé dans la société occidentale. Au cinéma, on peut mentionner en vrac la séquence d'ouverture de 8,5 de Fellini, où un conducteur se retrouve coincé dans son automobile, elle-même prisonnière d'un énorme embouteillage. Ou encore le surréaliste et esthétique Trafic de Jacques Tati et le Weekend de Jean-Luc Godard, où une partie de campagne se transforme en cauchemar suite à un accident de la route présenté au spectateur par un interminable travelling qui finit par en dire long sur l'empathie de l'être humain, plus préoccupé d'arriver à temps à un rendez-vous que de s'arrêter pour venir en aide aux blessés. Le rapport entre les célébrités et les accidents de voiture, très présent dans Crash, n'est pas un phénomène nouveau, mais il prend toute son ampleur dans les années 60, dans la foulée de la mort de James Dean, alors que plusieurs vedettes trouvent la mort de façon tragique à bord de leur automobile, d'Albert Camus à Jane Mansfield. Quelques années avant sa mort, Jane Mansfield, qui occupe une place de choix dans les fantasmes de Vaughan et remplace Elizabeth Taylor dans la version cinématographique du roman, avait atteint le statut d'icône en apparaissant à plusieurs reprises, entre autres dans la revue Playboy, nouvellement fondée. En 1959, elle participe d'ailleurs à l'inauguration du Chiswick Flyover, une autoroute urbaine permettant un accès rapide à l'aéroport de Heathrow. L'actrice américaine, visiblement peu impressionnée par les autoroutes anglaises, se serait exclamée lors de la cérémonie « It's a sweet little flyover » et la plaque que vous voyez a été inaugurée lors du 50e anniversaire de l'ouverture de l'autoroute, donc en 2009. On avait eu pas la très bonne gentillesse, mais bon, peut-être dans la perspective de Vaughan, d'inviter la fille de Jane Mansfield à assister à la cérémonie, fille qui se trouvait avec sa mère lors de l'accident mortel. Enfin, comme quoi Vaughan n'est jamais très loin de la réalité. Une file de voitures accidentées parcelle également l'histoire de l'art contemporain, des compressions de César Baldacchini aux sculptures d'Armand, en passant par la série Death and Disaster d'Andy Warhol, qui donne à voir la violence de l'accident d'automobile en même temps que sa banalité. On le voit peut-être pas très bien, mais ici, la voiture est renversée, mais il y a quelqu'un qui marche ici sans sembler être intéressé par ce qui vient de se produire. Dans le contexte d'une présentation sur J.G. Ballard, on se doit d'accorder une mention spéciale à l'œuvre d'Edward Kenz Holt, Backseat Dodge 38, qui apparaît de façon saugrenue mais signifiante dans The Atrocity Exhibition. Avant de vous lire le passage, si vous voyez à l'intérieur de cette œuvre, il y a un mannequin qui est couché sur l'automobile et il y a divers objets de consommation qui sont à l'intérieur, à l'extérieur de l'automobile. Alors, dans The Atrocity Exhibition, cette voiture, tout à coup, le narrateur écrit « Je vous signale le passage d'une version de tourisme de la Dodge 38 de Kenz Holt a été vue hier, roulant à vive allure sur une autoroute. Une voiture blanche endommagée avec à son bord les mannequins en plastique d'un pilote de la Troisième Guerre mondiale et d'une fille au visage couvert de brûlures faisant l'amour au milieu d'un rebut d'images représentant des scènes de genre et d'étuis de contraceptifs oraux. »
Alors voilà, voilà pour la version de ballardienne de cette œuvre de Kienzo. Les contributions littéraires sont également multiples, de l'autoroute du Sud de Julio Cortázar à Freeway de Peter Nichols, en passant par les problèmes de circulation, selon Raymond Queneau, d'encourir les rues. Ces textes viennent s'ajouter à une série d'autres où l'automobile occupe une place de choix, de Proust à Fitzgerald, de Mirbeau à Morand, en passant par le célèbre manifeste du futurisme de Marinetti, publié la même année que le lancement de la Ford T, qui affirme péremptoirement qu'une automobile de course est plus belle que la victoire de Samothrace. Roland Barthes fait écho à cette comparaison dans son article sur la nouvelle Citroën en écrivant que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques, une création d'époque conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. Avant d'entreprendre l'écriture de Crash, Ballard travaille sur plusieurs projets qui annoncent le roman à venir. Dans les commentaires qui accompagnent les chapitres de The Atrocity Exhibition, ajoutés lors de l'édition proposée par la maison d'édition Research en 1990, Ballard écrit au sujet du chapitre intitulé Crash dans The Atrocity Exhibition. Ce texte de 1968 fut écrit un an avant mon exposition de voitures accidentées au New Arts Laboratory, et il est dans les faits le gène duquel mon roman Crash allait naître. Cette narration se présente comme le compte rendu de diverses études scientifiques concernant le contenu sexuel latent de la collision d'automobiles. L'année suivante, en avril 1970, Ballard est l'instigateur d'une exposition de voitures accidentées qui a lieu dans une galerie londonienne branchée, le New Arts Laboratory, une exposition qu'il envisage comme un test psychologique qui s'avérera plutôt concluant, quelques spectateurs attaquant l'animatrice qui se promenait parmi les automobiles accidentées seins nus. Dans la même veine, il participe à un court-métrage qui s'intitule Crash, présenté sur la chaîne BBC 2 le 12 février 1971 et réalisé par Harley Cochlis, un cinéaste américain peu connu âgé de 25 ans. Le film met en vedette Gabriel Drake et Gigi Ballard lui-même. Il entremêle deux voies narratives, l'une plus dramatique et descriptive, rappelant les narrations brèves de The Atrocity Exhibition et celle de Crash également, l'autre plus théorique et objective, proche de l'essai. Alors, je vais vous faire écouter le début du documentaire en question. Vous allez voir les deux voies. Ça devrait fonctionner. The test cars moved towards each other on collision forces, unwinding behind them the coils that ran to the devices by the impact zone. As they collided, the debris of wings and fender floated into the air. The cars rocked against each other as they continued on their disintegrating courses. In the passenger seats, the plastic models transcribed graceful arcs into the buckling roofs and windshields. Here and there, a passing fender severed a torso. The air behind the cars was a carnival of arms and legs. I think the key image of the 20th century is the man in the motor car. It sums up everything. The elements of speed, drama, aggression, the junction of advertising and consumer goods, the technological landscape, the sense of violence and desire, power and energy, the shared experience of moving together through an elaborately signaled landscape. We spend a substantial part of our lives in the motor car, and the experience of driving condenses many of the experiences of being a human being in the 1970s. The marriage of the physical aspects of ourselves to the imaginative and technological aspects of our lives. I think the 20th century reaches its highest expression on the highway. Everything is there. The speed and violence of our age, the strange love affair with the machine to its own death. Thank you.
Je vais couper là. Alors, approché par le magazine Drive pour parler de l'automobile, Ballard écrit en 1971 aussi, et ça va reprendre, en fait, je vais vous traduire une partie du discours qui était dit par Ballard dans l'extrait, pour ceux qui comprendraient moins bien l'anglais. Il y a des petits changements, mais en gros, c'est pas mal ça. Alors, songeons au 20e siècle. Quelle image clé le résume le mieux dans notre esprit? Neil Armstrong debout sur la Lune, Winston Churchill faisant le V de la victoire, une ménagère dans un supermarché qui remplit son chariot de produits aux emballages multicolores, un flash publicitaire à la télévision, pour moi, rien de tout cela. Si on me demandait de condenser l'intégralité de ce siècle en une seule image mentale, je choisirais une scène familière de la vie de tous les jours, un homme au volant de sa voiture qui roule sur une autoroute bétonnée vers une destination inconnue. Presque tous les aspects de la vie moderne sont représentés. Notre penchant pour la vitesse, le spectaculaire, l'agressivité, les mondes de la publicité et les biens de consommation, de l'ingénierie et de la production de masse, et l'expérience partagée d'un déplacement collectif au sein d'un paysage à la signalisation complexe. Alors, Ballard reconnaît le lien entre le choc que produit l'accident sur l'imaginaire et le caractère fortement banalisé de l'automobile, conçu comme un objet de consommation, comme un autre. Alors, il dit... L'accident de voiture est l'événement le plus spectaculaire dans la vie de la plupart des gens, à part leur propre mort, et pour beaucoup, l'un et l'autre coïncideront. Sommes-nous simplement victimes d'une absurde tragédie, ou alors ces accidents consternants se produisent-ils avec une sorte de connivence inconsciente de notre part? Quand ils sont au volant, la plupart d'entre nous acceptent volontiers un degré de risque pour eux-mêmes, leurs femmes et leurs enfants, qu'ils considéraient comme une négligence criminelle dans tout autre domaine. Le câblage des appareils électriques, par exemple, ou bien la conception d'un pont ou d'un immeuble résidentiel, la compétence d'un chirurgien ou d'une sage-femme. Or, se permettre un excès de vitesse avec des pneus mal gonflés sur une autoroute rapide à double chaussée à la fin d'une journée épuisante au bureau équivaut approximativement à prendre un bain chaud avec un radiateur électrique à trois segments rougeoyant en équilibre sur le rebord juste sous une fenêtre entrouverte, agité par un début de tempête. Si nous avions vraiment peur d'un accident, la plupart d'entre nous seraient incapables de regarder une voiture, sans parler d'en conduire une. Cette dernière phrase se retrouve textuellement dans Crash, sortant de la bouche d'Hélène Remington. Elle me semble contenir toute l'ambiguïté de notre rapport à l'automobile que le roman Crash met en scène. Ce roman marque ainsi le point d'aboutissement de plusieurs années de recherche, voire d'obsession, de Ballard, entourant le système automobile et sa place dans l'imaginaire occidental. Les diverses versions des brouillons du texte, maintenant disponibles à la British Library, montrent que Ballard lui a consacré plusieurs heures de travail, d'écriture en réécriture. Alors, les principaux personnages du roman occupent une place, un emploi qui convoque l'imaginaire de l'automobile. James réalise des films publicitaires au studio de Shepperton. Dans le récit, il travaille sur une bande-annonce qui a pour mandat de vanter les mérites de la nouvelle gamme de modèles sport de chez Ford, compagnie mythique s'il en est une. Hélène Remington démissionne de son poste, du poste qu'elle occupe au ministère de l'Immigration pour devenir conseillère au Road Research Laboratory, le laboratoire de la prévention routière, tandis que Seagrave, personnage au nom si prédestiné, il est littéralement celui qui voit la tombe et il... porte le nom de famille d'un célèbre amateur de vitesse anglais, est cascadeur, ancien pilote de stock-car et collectionneur de voitures anciennes. À côté de ces personnages au statut social relativement bien défini, Vaughn est beaucoup plus polysémique et ambigu. Toutes les tentatives de le fixer dans une identité relèvent soit du passé, soit de la comparaison métaphorique, savant renégat ou ange maudit des autoroutes, par exemple, soit de la supposition. Ex-spécialiste de l'informatique, son propos est « le traitement par ordinateur de tous les problèmes de circulation automobile dans le monde », nous apprend ainsi James, qui l'a déjà vu dans des émissions télévisuelles. Lorsqu'il le voit à l'hôpital, alors, avant de le reconnaître, il se dit qu'il doit être sans doute un étudiant en terminale affecté à cet hôpital afin de se spécialiser dans les opérations de première urgence. Tandis qu'Hélène Remington se demande s'il est photographe, avant d'ajouter qu'elle croit qu'il mène une sorte de recherche sur les accidents, car, précise-t-elle, il voulait connaître les moindres détails de notre collision.
Alors qu'il sort un appareil photo avec téléobjectif, Renata, l'amante de James, se demande s'il est un détective privé, la situation étant effectivement propice à une filature. Ailleurs, Vaughn aurait prétendu être un photographe de la police. Le lecteur pourrait pour sa part l'imaginer en paparazzo. En effet, il suit les célébrités partout, armé de sa caméra, braquant sur eux son zoom, depuis la terrasse de l'Océanic Terminal, les parkings des studios de cinéma ou les balcons des chambres d'hôtel. Et on ne peut passer sous silence le fait que James le compare à au moins deux reprises à un maître d'études et que son laboratoire, dans une des pièces de la maison de Seagrave, soit qualifié de centre des opérations, car, précise le texte, avec Vaughn, tout a l'air d'un crime. Le narrateur le compare également à un messager. Lors de la reconstitution d'une collision spectaculaire à laquelle James et Helen assistent, Vaughn joue un autre rôle, celui de metteur en scène. Ainsi, la démarche de Vaughn se décline selon trois méthodologies distinctes. Premièrement, elle relève du scientifique au sens pur du terme. Deuxièmement, elle est documentaire au sens photographique du terme, au sens où elle recherche et accumule les preuves, à la manière d'un enquêteur de la police. Troisièmement, elle est expérimentale, au sens où, à certains moments, Vaughn ne se contente pas de regarder passivement ses objets d'étude, mais qu'il les met en situation, qu'il les manipule, au sens matériel du terme. Faisant un travail qui rappelle celui des ingénieurs du Road Research Laboratory, maniant leur crash test dummy. Seagrave, le cascadeur, n'est-il pas, pour Vaughn, un sujet d'expérimentation, espèce de poupée anthropométrique en chair et en os? Or, un autre qualificatif est attribué au personnage de Vaughn, un vocabulaire qui relève non plus d'une science dure, mais qui a toutes les caractéristiques de la recherche en sciences sociales. En effet, Vaughn observe, étudie, sonde, photographie, teste les comportements des êtres humains qui l'entourent à la manière d'un ethnologue ou d'un sociologue de la vie urbaine. Il répertorie et classe des informations. Dans son atelier de photo, des photographies sont épinglées au mur et il a constitué un dossier photographique qui prend la forme d'un album et qui présente les étapes importantes de l'accident, de l'hospitalisation et de la convalescence de James, entre autres. Il a également conçu un questionnaire d'un genre bien particulier. Je cite, « Chaque questionnaire comprenait une liste de personnalités du monde de la politique, du spectacle, du sport, des sciences et des arts, et le sujet est invité à mettre en scène la mort de l'un d'eux au cours d'un accident imaginaire. » Si James remarque, dans un premier temps, l'éclectisme du choix des personnalités, dont les noms semblent avoir été choisis au hasard à partir des gros titres des journaux ou de magazines, il reconnaît par la suite la rigueur de la démarche. Le choix proposé de blessures et de morts montrait tous les fruits d'une recherche exhaustive et minutieuse. N'empêche que Vaughn n'a peut-être pas, après tout, un objectif expressément scientifique qui soit lié aux sciences naturelles ou aux sciences humaines. Ici, la description du contenu de sa bibliothèque procure un indice intéressant quant à sa méthode véritable, alors que l'exhaustivité scientifique côtoie le dilettantisme de la fiction et la fiction. James la décrit ainsi. Les rayonnages le long du mur étaient garnis de manuels scientifiques, de collections incomplètes de revues techniques, de romans de science-fiction en édition de poche et de photocopies des propres articles de Vaughn. Bref, James Ballard, je rappelle que le narrateur du roman porte le même nom que l'auteur, n'est peut-être pas celui qu'on pense. Cette bibliothèque imaginaire s'apparente en effet bien étrangement à celle de J.J. Ballard, l'écrivain, qui contient entre autres une copie du rapport Warren et un livre intitulé « Crash Injuries ». La méthode de travail de Vaughn est celle d'un écrivain. Elle correspond à la vision de J.J. Ballard, pour qui l'écriture est un laboratoire, un lieu d'expérimentation extrême, comme il le spécifie dans la préface de Crash. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, dans un article paru en mai 1976 et repris en 1981 dans Simulacre et Simulation, Jean Baudrillard propose une lecture de Crash à l'aune de la réflexion qu'il déploie dans l'ensemble de son essai. L'étude du sociologue français a soulevé l'ire de certains critiques de la science-fiction et du postmodernisme et a généré une polémique dont les contributions ont été publiées dans la revue Science Fiction Studies. Pourquoi revenir sur cette controverse qui semble donner lieu à un dialogue de sourds entre les disciples de l'un et les admirateurs de l'autre? Parce que le désaccord qui origine
d'un questionnement concernant le caractère moral du texte, on s'en fout un peu, dont se réclame un peu par dépit d'ailleurs dans sa préface Ballard, repose sur une modalité du texte littéraire qui n'est peut-être pas prise en compte à sa juste valeur, à savoir que celui-ci exacerbe les oppositions, qui, loin de s'aplatir dans la simulation comme le prétendait Baudrillard, se déploie plutôt en les accentuant dans une perspective que l'on aimerait qualifier, à la suite de Bakhtin, de carnavalesque. Selon Baudrillard, Crash est le premier grand roman de l'univers de la simulation. Il écrit « Dans Crash, tout est hyper fonctionnel, puisque la circulation et l'accident, la technique et la mort, le sexe et la simulation sont comme une grande machine synchrone. Le fonctionnalisme de Crash ne connaît plus la dysfonction. C'est un fonctionnalisme radical, ni bon, ni mauvais, ambivalent. Le récit met en scène, selon lui, une technique qui est déconstruction mortelle du corps, qui le morcelle et le démembre pour en faire un corps sans organes, placé sous le signe étincelant d'une sexualité sans référentiel et sans limite. Il note que, dans l'univers de Crash, tout est inversé. L'accident n'est plus l'exception, il est devenu la règle. Il n'est plus à la marge, il est au cœur. Le corps se réversibilise et ne connaît plus ni d'intérieur ni d'extérieur. Il s'agit d'un univers qui est sans secret, précise-t-il. Si l'analyse de Baudrillard relève bien les oppositions sur lesquelles se déploie la narration du roman, elle les aplatit systématiquement au profit de la logique de la simulation que défend l'auteur. C'est d'ailleurs le propre de cet univers que de faire disparaître les contradictions, de supprimer les distances, de rendre impossible l'écart. Or, Crash est loin d'abolir les distances et d'aplanir les oppositions. Il s'érige plutôt formellement sur celles-ci, non pas dans une logique d'opposition traditionnelle et thématique entre fonction et dysfonction, ce qui est le propre du discours moralisateur entourant la question de la sécurité routière, ou de simulation, mais par la carnivalisation littéraire. Les arguments de Baudrillard peuvent en effet tous être réinvestis par une logique du monde à l'envers, où les corps morcelés, les excès et les inversions, la perméabilité entre l'intérieur et l'extérieur, le langage technique, l'amalgame et l'ambivalence prennent un tout autre sens. La simulation, selon Baudrillard, est un problème de distance. Il n'y a de réel, il n'y a d'imaginaire qu'à une certaine distance, précise-t-il. L'élimination de la distance, à la base de l'accident d'automobile et de la démence de Vaughn, est certes une caractéristique de la narration de Crash. Or, son abolition n'aplatit pas les oppositions pour empêcher toute posture critique, elle les réactive sur le mode de la carnavalisation littéraire. Alors, selon Bakhtin, le théoricien de ce concept, la carnavalisation n'est pas un système extérieur fixe qui se superpose à un contenu préexistant, mais une forme extrêmement souple de vision artistique, une sorte de principe heuristique permettant des découvertes nouvelles jusqu'alors insoupçonnées. Alors, le récit Crash s'ouvre sur la mort de Vaughn. Vaughn est mort hier dans son dernier accident. Lancé vers la limousine de l'actrice, il s'agit d'Elizabeth Taylor, sa voiture a franchi le garde-corps du toboggan de l'aéroport de Londres et plongé à travers le toit d'un car rempli de voyageurs. Le narrateur, James Ballard, explique que le geste était prémédité. Les dernières semaines de sa vie, Vaughn ne pensait qu'à la mort de l'actrice, à ce sacre des blessures qu'il avait mis en scène avec la dévotion d'un chef de protocole. Alors, cette comparaison au chef du protocole, au Earl Marshall dans sa version originale, n'est pas anodine. Dans la plupart des pays, le chef du protocole est rattaché au ministère des Affaires étrangères et est responsable des protocoles divers, notamment du respect de l'étiquette lors des rencontres diplomatiques. Dans le gouvernement britannique, le Earl Marshall a, pour sa part, une fonction beaucoup plus précise. En effet, il est celui qui s'occupe à la fois des cérémonies de couronnement et de l'organisation des funérailles des membres de la monarchie. Il a donc des fonctions qui le lient à la fois au sacre et à la mort, que la Sainte-Dette, le roi est mort, vive le roi, typique de l'ordre monarchique, joint dans un même mouvement de mort et d'intronisation. La narration compare donc Vaughn et le Earl Marshall. En imaginant et en mettant en scène un accident automobile impliquant Elizabeth Taylor, celui-ci intronise, comme le lui permet sa fonction, cette dernière. Il s'agit bien d'un sacre, comme le précise le texte. Or, Vaughn n'est pas un fonctionnaire de l'ordre monarchique, bien au contraire. Il s'ingénie plutôt à renverser les logiques sociales, à unir les opposés
En l'occurrence, dans l'exemple qui nous occupe, les deux fonctions du Earl Marshal. Car si nous avons effectivement affaire à un sacre, c'est bien précisément d'un sacre des blessures dont il est question, comme le précise la narration. Dans Crush, les rencontres se font en route, génèrent des contacts fortuits et font se croiser les destinées des personnages par-delà les classes sociales ou leur statut matrimonial. Le roman instaure ainsi, à la suite des chronotopes de la rencontre et de la route, un chronotope de l'accident. Par définition, l'accident est ce que l'on n'attend pas, ce qui relève du hasard, mais aussi de la fortune et du destin. Il est la rencontre violente entre deux ou plusieurs objets qui se trouvent au même endroit, au même moment. Le titre du récit prend la forme d'une onomatopée fracassante que redouble, dans sa traduction française, la présence d'un point d'exclamation et exprime la violence de la collision des tôles et le bruit assourdissant qui en résulte. Ainsi, le crash, c'est la rencontre inopinée, dans un espace-temps précis, au millimètre près, de deux ou de plusieurs automobiles, de leurs conducteurs et de leurs passagers. Comme le précise le narrateur, dans l'accident, l'intimité d'un être humain dans son temps et son espace se trouve pétrifiée pour l'éternité dans le réseau des poignards de chrome et de verre givrés. Lors de son propre accident, James parvient à éviter de justesse deux voitures, se prenant la troisième de front. Pour Vaughn, l'accident automobile permet d'infinies variations. Toutes les rencontres, qui prennent la forme d'alliances incongrues, ou plutôt de mésalliances. Alors, je cite, « Il rêvait de limousines d'ambassadeurs venant s'écraser contre des camions-citernes de butane renversés, de taxis pleins d'enfants en fête se heurtant de front devant les vitrines illuminées de supermarchés déserts. Il rêvait de frères et de sœurs longtemps séparés dont les trajectoires se rejoignaient par hasard sur les voies d'accès d'usines pétrochimiques, de l'inceste inconscient consommé dans les tôles mêlées et d'hémorragie du tissu cérébral répandant sous les compresseurs et les chambres de réaction. Vaughn voyait des ennemis jurés s'emboutir par l'arrière, haine meurtrière célébrée dans le spectacle d'un réservoir s'enflammant dans un fossé et de la peinture en ébullition crevant la pâle lumière d'après-midi d'une ville de province. De même, les prostituées en herbe que Vaughn rencontrait dans les cafés ouverts la nuit et les supermarchés entourant l'aéroport de Londres ne sont pas seulement comparées aux patients des manuels de chirurgie, elles sont leurs proches cousines. Le grotesque, le burlesque et la parodie sont omniprésents dans Crash, tout comme les masques, les pantins et autres références à la mascarade et au cirque. Ainsi, lancé sur la rampe de béton, Vaughn ressemble à quelques mécanismes menaçants surgis d'une trappe, alors que le mari d'Hélène Remington est catapulté à travers son pare-brise comme l'homme canon d'une fête foraine. James profite d'ailleurs de cette ambivalence pour se tirer d'une situation compromettante, alors qu'excité par une femme devant lui dans un escalier roulant, il ose poser plus ou moins subtilement sa main sur sa fesse. Alors, au bout d'un long moment, elle s'était retournée et m'avait regardé d'un air entendu. J'avais agité mon sac de voyage sous son nez et bredouillé quelques mots, tout en me livrant à l'imitation compliquée de quelqu'un qui dégringole d'un escalier montant. Du coup, j'avais manqué perdre vraiment l'équilibre. Même le réseau routier et les automobiles qui y circulent procèdent d'une logique carnavalesque. Les échangeurs se chevauchent en un coït géant aux membres emmêlés, tandis que les carapaces bariolées de milliers d'automobiles bondissent comme des faunes bienheureux de quelque Arcadie lointaine. Ajoutons à cet imaginaire tous les corps morcelés qui parsèment le récit et qui étaient associés au carnaval dans l'extrait du court-métrage que j'ai présenté plus tôt. Le narrateur lui-même compare le système autoroutier à un carnaval aérien. Or, ce carnaval qui n'avait déjà rien de bien comique se transforme en véritable danse macabre lorsque James et Vaughn arrivent sur les lieux d'un carambolage impliquant plusieurs voitures. Alors, je lis le passage, la dernière longue citation que je vais analyser par la suite. Ils étaient deux. Un homme d'une cinquantaine d'années, au visage rose, revêtu d'un manteau noir, et une femme plus jeune, le teint pâle, anémique, encore assise toute droite contre le dossier de la banquette. Tous deux avançaient la tête, scrutaient les policiers et la foule assemblée comme un couple de roitelets en visite officielle. Un policier a tiré la couverture de voyage qu'il avait jetée sur eux, exposant les jambes nues de la femme et les pieds de son compagnon, apparemment brisés aux chevilles et formant un angle peu naturel. Ce simple geste changeait complètement la tonalité de la scène. La jupe de la femme était remontée jusqu'à la taille,
Ses cuisses écartées semblaient exhiber délibérément son pubis à la foule. Sa main gauche s'agrippait à la poignée de maintien. Son gant blanc était taché de sang et était taché du sang de ses doigts effilés. Elle a souri faiblement au policier, comme une reine, autorisant d'un signe son favori à glisser la main sous ses robes pour palper son intimité. Le manteau de l'homme était largement ouvert sur son pantalon noir et ses souliers vernis. Sa cuisse droite semblait couler sur le côté, comme celle d'un maître à danser enseignant le tango. Dans un effort pour se retourner vers sa compagne, la main tendue, il a glissé de la banquette. Ses chevilles ont cliqueté parmi un encombrement de valises de cuir et de poussière de verre feuilletée. Alors, dans ce passage, les oppositions et les aversions sont manifestes. L'un des accidentés a le visage rose, tandis que l'autre a le visage pâle, anémique. L'homme est mature, la femme est plus jeune. La position du corps de cette dernière est incongrue, elle est encore assise toute droite, et le mouvement de leur tête semble inapproprié dans les conditions. Ils avancent la tête comme un couple de roitelets en visite officielle. Le geste du policier, nous dit le texte, qui tire la couverture qui les recouvre, transforme complètement la scène, qui devient dès lors carnavalesque. La femme, encore une fois comparée à une reine, exhibe impunément son sexe, semble invitée à l'obscénité. Plus loin dans le passage, ce sont tous les spectateurs qui seront invités à la pénétrer. Tandis que la position de l'homme devient encore plus étrange dans le contexte. Sa cuisse droite semblait couler sur le côté comme celle d'un danseur, comme celle d'un maître à danser enseignant le tango. Poursuivant sa gestuelle de danseur, l'homme se déplace, mais comme ses chevilles sont brisées, il tombe à la renverse. Le texte insiste alors sur le bruit des chevilles de l'homme. Ses chevilles ont cliqueté parmi un encombrement de valises de cuir et de poussière de verre feuilletée. Du carnavalesque, on passe ainsi à la danse macabre, un dispositif culturel et littéraire mis en place pour contrer les déséquilibres sociaux occasionnés, entre autres, par les grandes pestes de la fin du Moyen-Âge. Dans ce contexte, on ne sera pas surpris que James guette depuis son balcon les premiers signes de cet apocalypse automobile et s'attend presque à voir Bruegel et Jérôme Bosch en maraude sur les autoroutes au volant de voitures louées, deux peintres dont les œuvres sont associées tant au carnaval qu'à la danse macabre. Le passage se clôt sur une phrase qui ramène la narration dans la normalité. Le trafic reprenait son cours normal, précise le narrateur. Alors, au bout du compte, c'est bien dans tous ces renversements formels que le texte se construit comme une mise en garde, une descente en règle contre la domination de l'automobile dans l'imaginaire contemporain. Dans un essai qu'il consacre à Crash, Yann Sinclair fait de ce texte « one of cultural markers that signal the end of the 60s ». Ainsi peut-on, peut-être, mieux comprendre les paroles d'Hélène Remington, la femme que James a pris comme amante après l'avoir faite veuve. Après tout cela, comment les gens arrivent-ils encore à supporter la vue d'une automobile sans parler de se mettre au volant, se demande-t-elle? Poser la question, c'est peut-être un peu y répondre. Merci.